Assistante, oui. mettez-moi un peu de son. Bien sûr. J'ai écrit une petite chanson, je veux le. Voilà. D'accord. En toute amitié. Ça, vous avez du matos là. Hein. Oui, oh là là. Du lourd. Bravo, hein. Moi. Du lourd. Ça, j'ai vraiment un bureau énorme. Hein. Allez, attention, c'est parti. S'il vous plaît. Alors. Attention. Mimi la te galefta, de nekume mastapira neke afta, que trejume sta papuzia da palla, sas grafume papara papara. Mas pulisate pedia, que apejume de na dejuma lopia, que fevume sta papuzia da palla, sas grafume papara. Bah, j'ai chanté une petite chanson. C'est ma chanson. Ah bon? Oui. Je peux pas la chanter? Hein? Bah, non. Je peux pas donner un petit billet, quelque chose, non? Non, pas comme ça. Mais excuse-moi, tu l'as chanté en... C'est quoi cette écriture? C'est du grec. Wow. Zaz. D'accord. Zaz, tu l'as chanté en grec, celle-là. Je l'avais chanté en grec, mais pas en grec. Oui, le seul problème, c'est que... Oui, celle-là, je viens de l'inventer, mais... Tu sais ce que ça veut dire, papara, papara? Non. On t'a pas dit ce que ça voulait dire? Non. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu dis bien papara, papara, tu sais ce que tu dis? Ouais. En grec, ça veut dire couillon, juste. Couillon, ouais. Ah, c'est pour ça. T'as chanté devant 10 000 personnes en train de couillon. Personne ne te l'a dit, non? Si, les gens ont des réactions bizarres, mais... Bon, on l'a fait l'interview ou pas? Ouais. C'est bon? Ouais, allez. Mais laisse tomber. Ah bon, j'ai pas d'avenir, hein? Non. Je peux pas donner un petit billet, pas, quelque chose, non? C'est pas la bonne direction, regarde. Ouais, en plus, tu m'as déboussolé. Tu vois ce que je veux dire? On a tout perdu. Bon, voilà, ma carrière est finie. Allez, viens, on va en studio.